Au nord, il y avait les coraux, mais à l'est, c'était le coton. Du travail, plus que de raison, les hommes tisseront pour de bon. Pendant un siècle et demi, ce monde s'est développé, se blottissant dans les vallées. Il venait de la montagne, ces hommes des campagnes, qui ont fait que les Vosges gagnent. Des blanchiments surpris autour de Gérardmer, un univers immaculé. Malgré les guerres des fous et la rigueur des coups, le pays s'est remis debout. À l'est, c'était le coton. Du travail, plus que de raison. Les hommes tisseront pour de bon. Cheminées de briques rouges, des passants de la verdure, partage d'usine et de nature. Filature et turbine, motricité, machine, on ne pensait jamais à la Chine. Mais le monde a bougé et les temps ont changé, arrêt des métiers à tisser. Chapeau à ceux qui restent, pas le temps à la paresse, c'est le savoir-faire des gens de l'Est. Au nord, il y avait les corons. À l'est, c'était le coton. Du travail, plus que de raison. Les hommes tisseront pour de bon. C'est coriace un Vosgien, et ça n'a peur de rien, et l'on préparera demain. Notre histoire est ancrée, elle est à partager, à raconter et à chanter. Et là dans mon pays, à chaque soleil joli, autant des fleurs et de la neige aussi. Ils arrivent de partout, elles s'arrêtent chez nous, car c'est si beau, ça vaut le coup. À l'est, c'était le coton. Du travail, plus que de raison. Les hommes tisseront pour de bon. Du travail, plus que de raison. Les hommes tisseront pour de bon.